Mon nom actuel, c'est Duncan Meyer. J'ai dû changer beaucoup de fois de nom et de prénom à cause de mon travail. Je suis agent secret pour les services des mondes unis. J'ai été entraîné dans l'art du mimétisme. On m'a modifié plusieurs fois génétiquement pour pouvoir ressembler à peu près toutes les créatures qui peuplent notre univers. J'ai combattu les rebelles dans la constellation du Cygne pendant la guerre bleue. J'étais enquêteur sur le kidnapping du prince Kargan il y a 3 ans. J'ai combattu les rebelles pour défendre le monde libre un peu partout dans l'univers. Je suis juste informé sur la situation sur laquelle je vais devoir travailler, sur mes objectifs, sur les personnes que je suis amené à rencontrer ou à côtoyer. Je fais partie des services secrets, donc la plupart des informations ne sont pas divulguées ouvertement et tout le monde sait ce qu'il doit faire. On fait partie d'un mécanisme et le boulon de gauche ne connaît pas toujours ce que fait le boulon de droit, évidemment. Nous avons l'habitude de vivre seul, de nous créer notre propre réseau. Plusieurs psychologues ont émis l'hypothèse que le changement de personnalité était à la cause de beaucoup de troubles de la personnalité. Donc j'imagine qu'au bout d'un certain temps, nous sommes déclassés, remplacés. Peut-être qu'ils vont m'appeler demain, peut-être qu'ils m'appelleront dans un mois, ou peut-être qu'ils ne m'appelleront plus. Ça dépend s'ils ont encore besoin de moi ou pas. Je sais pas.